avec la poule numéro 1. Au fur et à mesure de ses sorties de plus en plus abouties, il figure maintenant d'outsider. Il a fait le court déplacement depuis son village de Bégard. Il est venu, m'a-t-on dit, avec son fan club, Paul Bon. Roger Paratti. Vainqueur il y a quelques années, il se plaît dans ses arènes. Il nous vient de Urune dans le Pays Basque, Jean Huard. Un nom qui fleure bon les Landes. À 18 ans à peine, il s'est lancé avec succès dans cette discipline. On lui souhaite le meilleur, Rémi Loraïte. D'habitude, c'est plutôt les guêtres et le boléro. Aujourd'hui, il a décidé d'enfiler le blanc et le pointe, Vini Filippo. Ah, il aura cœur de bien faire dans ses arènes. Lui, le potois, il est venu avec ses tout nouveaux souliers, le nouveau Cyril Lachou. Allez, le suivant, lui aussi, nous vient du Pays Basque. Après une année blanche, il revient très en forme et aura à cœur, pourquoi pas, d'aller jusqu'au bout aujourd'hui. David Mercapide. Une piste qui lui plaît, puisque vendredi soir, il a levé le bouclier vêtu de vert. Aujourd'hui, c'est en blanc. Avec le numéro 51 sur le cœur qui va défiler, Maxime Hocker. Allez, le suivant, lui, le basque, qui chambre les Landais à chacune de ses sorties avec le 40 brodé. Il va falloir assumer ça, c'est Pif Pierre-François Chenier. Et enfin, le dernier, lui aussi vainqueur à plusieurs reprises ici de ce concours de Pontox qui lui tient particulièrement à cœur pour son pote Titi, c'est Julien Raspatio. Voilà, la discipline s'agrandit et ils seront 9 en piste. Messieurs, petit point sur le règlement. À mon top départ, on jouera la cocarde et la cocarde uniquement. Quand elle sera tombée, on pourra jouer les glands. Vous êtes 9. Il y a 4 places qualificatives pour les demi-finales. Ceux qui décrochent et ont plusieurs repêchés par le jury, Jean-Jo et Patrice. À mes côtés, allez messieurs, un dernier salut à tout le public qui va vous encourager. Et je vous propose d'affronter dans quelques instants la belle Justinoise. Pleine de copains, Yann. La voilà, regardez, on commence très fort, regardez si elle est belle, magnifiquement présentée. J'en ai pas parlé, mais cette année encore, c'est la Gantéria d'Argelos qui amène le fleuron. 3-2, c'est parti messieurs, c'est Elite. L'attaque de Jeannot, non, Pif sur la main gauche, montre Pif. Marche pas. Ouais, la ligne de Wayne Merca. Cheveux au vent, quelle allure, mon Pif. Ouais, dommage, Maxime. Cyril. Ah, il n'a plus pas grand-chose. Marche pas, dommage, Juju. Pif, il se la met bien. Allez, reste avec elle, reste avec. Tu peux. Ouais, Vini. Max. Cyril. Les gens, c'est la reprise, non? Dommage, Pierre-François. La première minute a été coulée. David. Il était bien dedans. Juju, il a bien, non? Pif qui prend son Pif. Voilà la première grande section. Max. Allez, Polo. Manqué. Jeannot. Allez, Jeannot. Voilà. Les passages comme on les aime. Allez, ça commence à accélérer. Allez, petit Rémi. Dommage. Allez, Max, reste avec. Reste. Oh, il avait la main dessus. Alors, on va les piques sur le front.
fort, Max, ça ira plus facile. À droite, c'est joli, ça. Là, David, oui, oui, oui. Oh, là, c'est pareil, il l'avait quasiment. 2 minutes, Vini, dommage. Ah, vraiment, une poule où tout le monde passe, ils se tirent vraiment tous la bière. Oui, Max, oui, Max. C'est ça qu'on voit, l'attitude de Coquerac. Oh, mais t'as de la chance, en demi-finale, si tu fais ça. Oui, mon jalon. Max Okama, Juju à son tour. Polo Serrati, Jalon, c'est bon, Jean. Voilà. Marca, puis. Allez, Max, allez, Max. Et on se rappelle, il y a quelques années, Max qui n'était pas loin de la gagne. Voilà. Allez, ça continue à passer toujours. Allez, Jeannot. Messieurs, il reste moins de 2 minutes. Allez. Oh, Camille. Ouais, Paul, c'était un bon passage. Oui. Messieurs, les glaces sont ouverts. Il reste une trappe, les glaces sont ouverts. Oh, David, le bon passage, le marqué à l'orage. Juju. Il est allé chercher une main à droite, mais c'est toujours en place. Pif, c'est la coquette pour Pif. Rendez-vous en demi, mon Pif. Oh, David. Wow. Extra. Et David qui n'a rien laissé au hasard. Puisqu'il est arrivé dès hier soir pour prendre la température du côté de Pontons. 45 secondes. Bon, il reste bien, c'est dommage, Rémi. Ah, les glands, ils sont bien dessous, ça va pas être évident. Bon, j'en ai un. 30 secondes. Juju. T'as vu, Kevin? Oh, l'attitude conquérante de notre polo national. Monsieur, attention les gars. Dommage David. Oh, Jeannot. Le passage facile. Reste pas. Il reste. Oh là. Il reste 15 secondes. Il reste 10 secondes. 5. 4. 3. Non, c'est officiel, c'est pas le cas. C'est terminé, messieurs. L'élégance et l'efficacité. Pierre-François Chaunier. De suite à la poule numéro 2. Et le premier n'est autre que le tenant du titre. Il viendra avec son numéro 8, défendra ses chances. Yann Brocker. Le suivant a gagné un concours, mais c'était un concours de Chioulaïr du côté du Pays Basque le week-end dernier, Alexandre Lespar.
Allez, on a découvert le dernier dans les arènes boucalaises le week-end dernier. Il va venir s'essayer de se frotter au meilleur ici à Pontox, Rémi Moncoucut. Allez, son papa a réussi de belles choses dans ses arènes en tant que raseteur. Les années passent, c'est au tour du fiston et le plus jeune fera partie de cette poule, c'est Flavien Lagardère. Allez, le suivant a connu les joies de la paternité cet hiver. Il a été un petit peu moins assidu cette année, mais à chaque fois, il n'était jamais trop loin. Jérémy Glacé. Allez, le globe-trotteur, notre Gersau Lando Basque est là aujourd'hui avec son numéro 12, Jérôme Darblade. Et il vient de fêter récemment ses 40 ans. Il vient de remporter le concours des matinales de Dax. Toujours en forme, mon copain, Franck Sarotte. L'horaire est idéal pour lui. Il fait des concours qu'à maximum 4 km de chez lui. Ça tombe bien. Il est chez lui aujourd'hui. Damien Lille. Auteur d'une prestation XXL à Vieux-Boucau qu'il a vu décrocher la cocarde en poule, la cocarde en demi et la cocarde en finale, c'est avec le plein de confiance qu'il se présente aujourd'hui, Damien Tony. Messieurs, juste avant de saluer les qualifiés pour la poule numéro 1 qui accompagneront Pierre Chaunier, il y aura donc David Mercapide, Julien Raspantino et Paul Beaumont. Messieurs, même règlement, d'abord la cocarde, suivie des deux glands. Un dernier salut à tout le public. Et ça va encore remonter d'un cran. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Andalusia. Voici Andalusia. Attention, dans la contre-piste, elle a déjà sauté à plusieurs reprises. 3-2-1, la cocarde est ouverte. C'est parti, 5 minutes. Allez, c'est Damien, le premier bon rasé de Damien. Franck, belle piste. Allez, on va mettre la musique. Oui, Damien, dommage petit. Oh, allez. Oh, il y a Tot. Francky sur la reprise. Allez, Flavien, avec les cannes là. Allez. Damien, dommage. Franck. Damien, Tony. Flavien Lagardère. Yann, voilà, suivi jusqu'au bout. Hop là, Damien et Franck sont partis ensemble. Yann sur un rasé long, Jérôme. Jérôme, voilà, c'est passé. Oh mon Francky, voilà, facile. Beaucoup d'élégance. C'est ce toujours jeune. Numéro 15. Damien, non? L'autre Damien. Ah. Flavien. Yann à droite, non? Andalusia qui réfléchit. Ils sont tous autour. Franck tente de sa chance. Flavien derrière, il y avait de l'idée. Damien, attention, la belle action. Alors, on va les encourager, les actions comme ça sont vraiment magnifiques. Damien reste bien derrière pour pas tirer, voilà. Allez, il reste 3 minutes, ma Francky, comment il a loupé ça. Et Yann derrière, non? Rémi. N'oubliez pas le petit pas pour la faire démarrer.
Jérémy Glacé, là. Damien non plus. Franck qui essaye de se l'accaparer. Mais Andalusia a donné quelques rasés. Maintenant, on va sélectionner un peu plus. Damien. Superbe rasé. La coca le plus. Je vous l'avais dit, il arrive en forme. Très en forme. Et les glaces sont ouverts, messieurs. Il reste 2 minutes. Oui, les gars, pour Franky. Yann. Bien, bon, mon Franky, quelle aisance. Alex. Ah, oh, Flavien peut-être. Oh, joli, Flavien. Ça, il a jamais fait, ton père. Hein. L'autre, Damien. Allez Rémi, tu l'avais joli à droite là. Ah là, si tu ne donnes pas ta chance, mon grand. Flavien, elle est placée peut-être là. Rémi qui va là. Il reste une bien. Allez, on va rentrer gentiment dans la dernière minute. Sur l'autre corner, Rémi, c'est à droite, les gars. C'est des trucs de base, ça. Dommage, Flavien. Voilà. Yann, il reste avec. Il met la main, il y a quelque chose. Non, toujours pas. Merci beaucoup la Tchunga, 30 secondes, les 30 dernières. Il y a 2 qualifiés pour l'instant, Damien et Franck. Flavien, encore de bons passages pour le jeune de la fratrie Lagardère. Allez Damien. Damien, dommage. Allez Alex, allez là, allez. Voilà les gars. 15 secondes. Il reste 10 secondes. Pourquoi pas, Jérôme là? 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Et le gland est toujours en place, malheureusement. On va rentrer Andalusia dans sa loge. Et une prime spéciale, les jumeaux Tic et Tac, ceux qui ont décroché, Damien, Tony, Franck, Sarotte. Bien les gars, rendez-vous en demi-finale. 3. Le premier vêtu de son numéro 9 vous invite samedi prochain du côté de Dax où il aura la double casquette, celle d'organisateur et de raseteur, Hervé Lartigue. Allez, le suivant a mis un terme à sa carrière de rugbyman. Lui, l'ailier du côté de Nogaro avec son numéro 87, Anthony Forfait. Il a lâché les guêtres et le boléro lui aussi pour tenter de mettre son blanc. Guillaume Lafitte. Allez, un petit jeune que j'ai découvert du côté de Vieux-Boucau également le week-end dernier où il s'était plutôt très bien débrouillé. On lui souhaite la même réussite. Axel Paquero. Il est sauteur normalement, il a gardé la tenue blanche mais il a changé juste le t-shirt pour la chemise, c'est Simon Lespard.
Allez, le suivant, on va effectuer un de ces derniers concours avant d'aller se faire un bon trip tout autour du monde. Cédric Maton. Il est arrivé de justesse, je crois qu'il avait reçu le même texto que monsieur le maire, mais il était juste à l'heure. C'est ce qui compte, Kevin Bois. Allez, le suivant, tatouage, bronzage, la coupe de cheveux, la bogossitude à son paroxysme, Anthony Garcia. Ils sont 10 dans ce poule, c'est long. Le suivant a fait ses classes du côté de la Benne. Il se débrouille plutôt pas trop mal cette année, Corentin Galland. Et enfin, est-il encore utile de présenter notre inénarrable raseteur qui nous vient de Saint-Sever, le sosie officiel de Freddie Mercury, Marc Astaing. Calme-toi, ça va bien se passer, Marco. Allez, ils sont 10 dans cette poule. Et messieurs, dans quelques instants, vous serez aux prises. On l'a vu hier, elle sera là aujourd'hui avec la coursière Amandine. Un dernier salut, messieurs, à tout le public. Les deux qualifiés qui rejoignent Damien et Franck dans la poule numéro 2 seront Yann Brocker et Flavien Lagardère. La voilà. Regardez-la moi. Avec sa hanche généreuse. Messieurs, c'est parti pour 5 minutes. Allez, attaque de Kevin avec la coursière qui fuit le bas. Voilà, on le sait, Amandine, ça fuit le très bas. C'est pas évident de mettre la main. Opa! Kevin, ah, malheureusement Kevin il a des petits bras. Axel, dommage. Corentin, non. Hervé. Kevin, le bon passage. Axel aussi. Allez petit, c'est bien ça. Oh là là, elle est en train de nous creuser une tranchée. Bien Cédric, ça c'est un bon passage, ça dommage. Oh là là, elle est venue chercher Axel. Eh mais c'est Ander là-bas que je vois au premier rang. Antonina, Hervé sur la reprise non plus. Axel. Bon passage, une nouvelle fois, ça me tient bien. Allez, elle commence à réfléchir, à sélectionner un petit peu. Cédric, dommage. Anthony qui est arrivé de loin, non. Allez, chacun essaye de s'accaparer son attention. Oh, Marco, monte. Oh, merde. Il est nouveau ce pantalon, Marco, il te va bien. C'est vrai, hein. Bon passage d'Hervé. Celle qui arrive à la faire démarrer à chaque fois. Bien Coco, le petit pas, dommage. Anthony. Je sais qu'ils l'ont tous vu, le gland sous la corde droite. Oh, Kevin.
Oh, Coco Corentin Gala. Oh, tiens. Elle est allée faire le petit coucou à Jérôme. Et là, tu vas mettre les bras où, Jérôme? Pleine de bave partout, là. Cédric. Messieurs, les glands sont ouverts. Et le gland à droite, il est joli. Je dis ça, je dis rien. Hein. Marco, il l'a vu. Il l'a pas eu. Ah, mais là, il l'a relevé. Là, c'est cadeau. Hervé, là. Kevin, Kevin, Kevin. Ah, comment a-t-il fait pour manquer ça? Coco. Oh là là. Oh, Marco. Oh, on a eu chaud, là. Hein. Kevin, Kevin, oh, il l'avait dans la main, il l'a lâché. Il l'avait, il l'a lâché. Hervé, il va là, non? Ah, il est remonté, allez, allez Cédric, allez Cédric. Allez, il est pour toi celui-là, non, c'est pas vrai. Prends le temps, Anthony. Hop là, attention, c'est pas grave. Cédric, Cédric, il se le mériterait, un bon travail jusqu'à présent. 30 secondes. La tête, ça va faire en bouche. Hervé. Ah, il a manqué. Oh, attention. Les gars, pas sur les marchepieds. Hein. Il reste quelques secondes. Oh, c'est pas vrai. Il reste quelques instants. 5, 4, 3, 2, et il a eu le gland pour Kevin Bois. 2 secondes. 1, et c'est terminé, messieurs, c'est terminé. On va rentrer Amandine dans sa loge. Allez, quelques primes. Il joue au foot à pouille, celui-ci. Bien, Kevin, rendez-vous en demi. Ah oui, c'est bon. Alors, les autres qualifiés de cette poule 3, Axel Paquero, Cédric Maton et Hervé Lartigue.